pour développer les instruments chirurgicaux les plus sophistiqués. C'est ce qu'on essaie dans ces 15 minutes de passer en revue. Déjà, dans le néolithique, l'homme trépané, pour des motifs divers, qui sont chamaniques ou médicaux, et ces patients ont survécu à leur trépanation, comme en témoigne dans cette photo, les bords osseux qui sont cicatrisés. Après le silex et l'obsidienne, l'homme va utiliser d'autres instruments, et chez les Égyptiens, on va trouver des petits instruments en cuivre avec une ressemblance étonnante avec nos instruments actuels, des pinces et des scalpels par exemple. La métallurgie va se développer par la suite avec la formation du bronze qui est composé de cuivre et d'étain et qui était connu par les Égyptiens déjà 6000 ans avant Jésus-Christ. Il a été transmis en Europe par les Phéniciens et la majorité des instruments médicaux romains qui nous sont parvenus sont en bronze. Puis la métallurgie a formé le laiton, cuivre et zinc, et l'utilisation aussi pour ces instruments médicaux de l'étain, du plomb, de l'or et de l'argent. Le fer caractérise l'âge de fer et il est différent selon les régions. Mais malheureusement, à cause de la corrosion, rares sont les instruments antiques en fer qui nous sont parvenus parce qu'ils sont souvent rouillés, exception faite pour Pompéi et Herculanum parce qu'elle a été ensevelie dans la vague, dans la lave. La scie industrielle va apparaître pour les instruments au XIXe siècle, la scie inoxydable en 1909, et c'est une association, c'est un alliage entre le fer, le chrome et le nickel. Les métaux du XXe siècle, c'est le tungstène qui est caractérisé par sa dureté, le titanium à partir de 1939 parce qu'il est biocompatible, anticorrosif, et antimagnétique, et va nous rendre beaucoup. Il va nous rendre de sérieux avantages en ce qui concerne l'IRM. Le chromage devient de plus en plus développé dans ce XXe siècle. Les autres matériaux utilisés, la corne, le bois et l'os et l'ivoire, n'ont été que rapportés parce que c'est des substances putrescibles. On a retrouvé cependant un pilon en ivoire dans une trousse de chirurgien à Cologne. Les anciennes cultures chinoises et japonaises étaient opposées à couper dans les corps humains, si bien que la chirurgie et les opérations chirurgicales n'étaient pas très courantes dans ces civilisations. C'est en fait l'Égypte qui est le berceau de la chirurgie, et en témoignent les instruments figurés sur le mur du couloir extérieur du temple de Kom Ombo, et la découverte en 2001 par des archéologues égyptiens d'outils médicaux en bronze dans la tombe du plus grand chirurgien pharaonique, Skar, de la 5e dynastie, il y a 4200 ans. Et depuis l'Égypte, la trousse du chirurgien commence à se constituer depuis la période pharaonique et ces instruments que j'ai cités ici sont en cuivre et en bronze. Les Védas indiens, déjà 2500 avant Jésus-Christ, parler de certaines interventions chirurgicales, dont la rhinoplastie, et mention est faite aussi dans le code de la loi d'Hammurabi, en 1900 avant Jésus-Christ, de ces interventions chirurgicales, entre autres aussi l'abaissement de la cataracte, les ablations de calcul de vessie. Mais en fait, ces substrats, Susruta, qui était le premier chirurgien du monde pour décrire les instruments chirurgicaux, dans le traité détaillé appelé Susruta Samhita, et qui date de 600 ans avant Jésus-Christ. Donc on va s'intéresser aux chirurgiens qui ont fait l'inventaire des interventions des instruments de chirurgie. À Épidaure, dans la partie du sanctuaire où se trouvaient les cabinets médicaux, on a trouvé bien des instruments chirurgicaux, des scalpels, des aiguilles, des pinces, datant d'environ 400 ans avant Jésus-Christ. La chirurgie romaine fait des progrès considérables et les chirurgiens possèdent un arsenal instrumental important. Et dans l'ouvrage de Celsus Aurelius Cornelius, on trouve l'inventaire d'une cinquantaine d'instruments chirurgicaux
Et ces instruments chirurgicaux, certains exemplaires ont été retrouvés à Pompéi en parfait état de conservation. Ces instruments à Pompéi ont été découverts lors des fouilles de 1970 à 71. Ces instruments datent du milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ et 40 instruments chirurgicaux étaient retrouvés parce que conservés dans la lave dans des étuis métalliques. Ces instruments rendent compte du haut niveau de technicité atteint par les concepteurs et fabricants d'instruments chirurgicaux romains. On arrive au Moyen-Âge et là il y a une dichotomie mondiale, civilisationnelle si vous voulez, en chirurgie. Il y a un Occident médiéval qui est en pleine décadence et va le demeurer pendant une dizaine de siècles. La chirurgie n'est pas très développée. En effet, le médecin qui n'a pas envie de toucher au corps humain, fait son diagnostic et en cas d'affection chirurgicale, il fait appel à un auxiliaire habile à manipuler les rasoirs, un barbier chirurgien. La chirurgie n'était pas enseignée et c'est le barbier chirurgien qui fait appel à un coutelier pour la confection de ses instruments chirurgicaux. On parlera de médecins savants et de chirurgiens manants. L'Orient médiéval en chirurgie était florissant. La chirurgie à cette époque arabo-musulmane va préserver les connaissances accumulées par les Grecs et leur translation en Inde, en Perse, en Syrie, pendant la période moyenâgeuse sombre de l'Occident. Mais, et je remercie les orateurs de ce matin, ils l'ont répété, il ne s'agit pas d'un plagiat, mais d'un véritable travail didactique et critique, prenant l'important et écartant les détails. Abul Qasim al-Zahraoui fait, dans son ouvrage « Tasrif liman ajaza an at-ta'lif », une description et des dessins d'une panoplie riche et variée d'instruments bien adaptés aux interventions chirurgicales qu'il exécute lui-même. Et il est le seul dans l'histoire, avoir catalogué les instruments avant le XVIIIe siècle. Al-Maqala 30, consacré à la chirurgie qu'il appelle Ilm al-Yad, est divisé en trois chapitres. Le chapitre 1, ou Beb, le Beb al-Awl, parle de la cautérisation par le feu et par les caustiques, et ce schéma emprunté à Lucien Leclerc détaille un peu les olives décotères. Vous voyez le nombre d'instruments. Le livre 2 ou Bab 2, il s'agit de différents chapitres pour les incisions, les émissions sanguines, les scarifications, les blessures, l'extraction des flèches et autres opérations de ce genre, depuis le commencement jusqu'à la fin, avec description des instruments. Donc il a brassé tous les domaines de la chirurgie, de la neurochirurgie, de la gynéco-obstétrique, de l'urologie, de l'ORL, ophtalmologie et cardiologie. Excusez-moi. Le livre 3, ou Beb Thalith, il y a différents chapitres pour le traitement des fractures, des luxations, des entorses et autres affections analogues, depuis le commencement jusqu'à la fin, avec la description des instruments qui sont mis en schéma dans ce diapositif. En Occident, et après la Renaissance, il y a un développement des sciences, des industries et des techniques. Le XVIe siècle, les instruments sont de conception simple, mais admirablement fabriqués par des couteliers. On peut leur reprocher seulement les ornements superflus. Et ces ornements superflus sont faits pour imposer au sujet à opérer, et en l'occurrence le roi. Ambroise Paré, le père de la chirurgie française, a décrit et dessiné tous ces instruments avec l'échelle des mesures et des proportions. Les instruments sont livrés avec des ornements très accentués pour les parties externes. Ces instruments, il les a classés en instruments pour le diagnostic clinique, toutes sortes de sondes installées sur des tables spéciales. Des instruments pour l'extraction de flèches d'arbalète,
de balle. Le tire-balle nommé bec de lézard rappelle nos pinces à biopsie endoscopique actuelle. Il a détaillé aussi la technique de l'amputation et le matériel nécessaire pour ces amputations, et il a insisté sur le contrôle vasculaire, les sutures vasculaires, et c'est ça ce qui l'a rendu vraiment célèbre. L'évolution au XVIIe siècle, les instruments sont plus lourds et grossiers, mais ils demeurent pratiques et adaptés aux mains des chirurgiens. Dans l'ouvrage « L'arsenal de chirurgie » de Jean Scletet à Lyon, on trouve dans la première partie, 46 tables en taille douce détaillant les instruments de chirurgie, et le second contient 103 observations chirurgicales. Au XVIIIe siècle, il y a augmentation du nombre d'instruments proposés par l'ego de certains chirurgiens, juste pour leur laisser leur nom dans l'histoire, sans apporter un plus aux précédents instruments ou à la science chirurgicale. Les difficultés de cette époque, c'est la fabrication d'instruments sophistiqués. Ces instruments, on va les sophistiquer, ils sont petits, coquets, mais ils sont prétentieux avec des mécanismes et des rouages difficiles à contrôler. Donc, c'est des instruments qui sont plus compliqués que pratiques. Et il y a aussi un conflit d'intérêts entre les chirurgiens qui se plaignent de la trempe et de la qualité des instruments et des couteliers qui se plaignent aussi du prix très bas accordé par les chirurgiens à leurs instruments. Au XIXe siècle, apparaît le platine qui est préféré pour la confection de sondes solides. L'ivoire et le nacre qui prennent l'humidité et favorisent la rouille des manches sont remplacés par l'écaille de tortue et de la corne. Les instruments sont plus sobres et simples, donc élégants. Les manches aplaties remplacent les manches rondes qui tournent dans la main. Les châsses sont réunies par des clous en fer. La tendance au XIXe siècle, c'est la vente en coffret de l'arsenal nécessaire à telle opération. Ces boîtes sont confectionnées par des ébénistes et sont compartimentées. Au milieu du XIXe siècle, les couteliers laissent la place à des industriels qui sont les précurseurs de la production moderne. Dans la profession de coutelier, certains se maintiennent dans cette profession, mais les plus nombreux ferment boutique. À l'ère listérienne et pasteurienne, le tout métal est devenu un impératif pour le passage en étuve pour stérilisation. L'amélioration du travail des métaux permet de confectionner des instruments capables de supporter les agents modernes de la stérilisation. Il y a un développement d'une instrumentation personnalisée à la demande de chaque chirurgien, mais de plus en plus, les couteliers proposent leur fabrication aux chirurgiens, inversant la tendance du XVIIIe siècle, où c'était les chirurgiens qui demandaient aux couteliers de faire ça et ça et ça. Si bien que dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'exposition universelle de 1879 en France n'a retenu que 7 couteliers qui se firent remarquer par l'excellence de leurs instruments chirurgicaux. On trouve en tête les laboratoires Lépine, avec 3 grands centres de fabrication en France, à Paris, à Nogent, en Bassigny, en Haute-Marne et à Lyon. La première moitié du XXe siècle, c'est la Grande Guerre, donc il y a un développement de la demande par l'armée d'instruments chirurgicaux avec construction de nombreux hôpitaux et cliniques. Cette période va se caractériser aussi par la publication par les fabricants de notices de techniques chirurgicales pour les chirurgiens. Et elle va se faire remarquer par la participation régulière de ces fabricants au congrès en chirurgie. Participation, bien sûr, financière. L'instrumentation devient plus personnalisée. Et on les délivre en boîte de résection osseuse par exemple, boîte de GEA, de Jaboulet. La seconde moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 impératifs. Les instruments personnalisés se perfectionnent et se multiplient et ils sont délivrés par type de chirurgie que nous connaissons, que nous avons connu. La boîte par exemple de sympathectomie lombaire de René, la boîte de Lurich, les instruments pour la chirurgie du genou.
Il y a pendant cette période une grande activité d'adaptation et de copie des brevets anglo-saxons. Cette copie des brevets anglo-saxons a été tolérée à cause de la guerre. Il y a aussi un compagnonnage américain et français pour l'élaboration de certaines techniques qui sont faites aux États-Unis. C'est ainsi qu'en France, 1962, c'est la date de la première réparation instrumentale de la scoliose. Il y a aussi une évolution de la législation pour les implants à cette fin du XXe siècle, avec la création du marquage communauté européenne en 1992, ayant eu pour conséquence la nécessité pour les fabricants d'une grande maîtrise de conception, fabrication et distribution, et la création du Banque de tissus de France, qui devient indépendante en 1997. Le XXe siècle, c'est le siècle aussi de l'endoscopie. En effet, dès 1967, la collaboration entre les laboratoires Storz et Hopkins permet la réalisation du premier endoscope. Dès 1970, les chirurgiens gynécologues font les premiers gestes chirurgicaux chez la femme, grossesse extra-utérine et kyste ovarien. Dans les années 80, c'est le développement des sources de lumière froide à fibre optique, puis les gros progrès technologiques importants dans le domaine de la vidéo et des caméras ultra perfectionnées qui vont permettre à Philippe Mouret, chirurgien lyonnais, a réalisé la première cholestectomie en 1987 par Cilio. Depuis, le développement des endoscopes et d'une large panoplie d'instruments de chirurgie laparoscopique devient fulgurant, avec une évolution vers l'utilisation de l'usage unique et l'apparition d'un nouveau concept qui est le trocar unique pour diminuer le nombre de voies d'abord de trocar. Le XXe siècle, c'est le siècle de la robotique, avec l'apparition du robot de Da Vinci, d'ailleurs qui va rester le seul sur le marché, avec un développement important d'une instrumentation robotique qui va avec. Le 7 septembre 2001, Jacques Marescot va réaliser une cholestectomie à partir d'un immeuble à New York avec une console sur une patiente à Strasbourg, donc à travers l'océan Atlantique. C'est l'opération Lindbergh, c'est le Lindbergh inversé. En conclusion, donc, la revue de l'histoire des instruments chirurgicaux est comparable à la description d'une épopée réalisée par le génie humain. 6 millénaires ont été suffisants pour accéder à des instruments sophistiqués. En moins de 2 siècles depuis la révolution industrielle, l'évolution a été galopante. Et en moins de 50 ans, l'évolution est telle que le paysage des instruments chirurgicaux a été transformé par l'avènement de la chirurgie laparoscopique. Et ce qu'on constate, c'est que la relation chirurgien-malade est bouleversée par la robotique et puis par la télérobotique. Donc le patient n'est plus touché par son chirurgien et va être opéré même à distance. Je vous remercie. Shall we call